Bonsoir à tous. Bonsoir. Hello, hello. On se retrouve pour la suite de nos aventures, hein, du jeu livre d'aventure Le Seigneur des Anneaux. On avait fait les deux premières étapes. On avait quitté la comté, on avait réuni la communauté de l'anneau. Et on arrive sur le chapitre 3 où on va se retrouver dans les mines de la Moria. Alors, on y va pour la mise en place. Alors, j'ai le petit texte. La communauté arrive aux mines des nains, où elle s'attend à être accueillie chaleureusement par le cousin de Gimli, mais n'y trouve à la place que son tombeau. Mise en place, poser la table des événements du chapitre 3 à côté du livre. Ça c'est fait, c'est ici. Mélanger les cartes histoire et distribuer en 4 à chaque joueur. Donc, on les a mélangées, on va en distribuer 4 à chaque joueur. 2, 3 et 4. Voilà. Mélanger les cartes événements et placer la pile à proximité. Les cartes événements, elles ont été mélangées, tout à fait. Placer Aragorn, Legolas, Gimli, Frodo et Gandalf, face grise visible, sur leur case de départ respective. Alors, Aragorn, Legolas, Gimli, Frodo. Et Gandalf gris. Et Gandalf le gris, ok. Mélanger les jetons gobelins, face gobelin visible. Okay. Passer câble gobelin sur les cases autour du troll des cavernes. Alors choisissons 4. J'en prends 2, j'en prends 2. Alors, ici, ici. Et les deux autres en bas, je pense. Au bord du plateau. Au bord du plateau. Ok, ça marche. Placer le balrog sur sa case de départ sur le pont. Ok. Le dernier joueur à avoir combattu un gobelin commence. On va dire que c'est plutôt toi. Ouais, ok. Règle du chapitre, combat contre les gobelins. Seuls Aragorn, Legolas et Gimli peuvent pénétrer sur une case occupée par un gobelin. Donc Legolas, Aragorn et Gimli, ok. Si c'est le cas, retournez le jeton gobelin. Pour l'éliminer, vous devez défausser la carte histoire indiquée. D'accord. Placez les gobelins éliminés sur la piste correspondante en bas du plateau. Ici. Le troll des cavernes. Pour infliger des blessures au troll des cavernes, Aragorn, Legolas ou Gimli doivent occuper deux cases adjacentes libres de tout gobelin, un personnage de part et d'autre d'un symbole combat. Défausser une carte histoire épée et placer un jeton blessure sur le symbole combat. Ok. Voilà. Le pont de Khazad-dûm. Ici. Seul Gandalf peut s'aventurer sur le pont. Au cours de sa phase histoire, le joueur peut déplacer Gandalf sur la case suivante du pont en défaussant les cartes indiquées sur la nouvelle case atteinte. D'accord. Celle-ci. Si le Balrog et Gandalf occupent la même case et que l'un d'eux se déplace, tous les deux se déplacent dans la même direction. Ok. Vous perdez ce chapitre si le Balrog atteint la case. Peut-être celle-là, étoile. Oui, c'est celle-là, oui. Voilà. Oui, étoile. Ou si la pile des cartes événements est épuisée. On va commencer le chapitre. Ok. Nos objectifs. Parler, amis et entrée. Gandalf et Frodon doivent être aux portes de Durin. Donc ici, ok. Donc Gandalf et Frodon. Jouer deux cartes histoire du même type, au choix. N'importe quelle carte, mais que ça soit deux du même type. Et donc ce sera pour réussir le premier objectif, et on récompense piocher deux cartes histoire. Deuxième objectif, se frayer un chemin. Vous devez avoir atteint le premier objectif, donc celui-là doit être atteint. Il doit y avoir au moins 4 gobelins sur la piste des gobelins éliminés. Et c'est récompense piocher une carte spéciale. D'accord. Ils ont atteint des cavernes. Vous devez avoir atteint le premier objectif, donc celui-là. Vous devez avoir placé les 4 jetons blessures autour du troll des cavernes. Ok. Piocher une carte spéciale. Et dernier point, vous ne passerez pas. Gandalf et le Balrog doivent être sur la même case. Frodon, Aragorn, Legolas et Gimli doivent être sur la case de sortie. Oh. C'est lourd, hein. Tous les autres objectifs doivent avoir été atteints préalablement. Et vous remportez ce chapitre comme récompense. Avec les 3 symboles indiqués en plus. Avec les 3 symboles indiqués, bien évidemment. Ici, le pouvoir de l'anneau. Donc, quand on jouera une carte anneau pour ce chapitre-là, on pourra déplacer Gandalf d'une case sans jouer de carte histoire. D'accord. Donc, c'est ce qui va amener Gandalf ici. Mmh. Attention, bien sûr, chaque fois qu'on joue une carte anneau, on monte sur la piste. Et bien sûr, si on arrive à la dernière piste, on a perdu. Et chaque fois qu'on va dépasser un petit œil, on va tirer une carte. Alors, c'est
C'est à moi. Donc je vais déjà commencer par avancer ici et ici. Les deux passages d'une case. Alors moi j'ai pas deux identiques, je sais pas si toi tu les as, mais moi je les ai pas. Deux identiques. Ouais. Si, mais non, c'est les pieds, alors je sais pas si c'est mon pied. Est-ce que tu aurais besoin d'un œil pour pouvoir le faire? D'un pied. Ah, tu veux un œil pour. Non, est-ce que toi tu aurais besoin d'un œil pour pouvoir utiliser les deux identiques ici? Ah oui, je peux prendre. Donc tu veux un œil toi? Non, parce que moi je pourrais pas le faire là. Toi tu pourras le faire le coup d'après. Ok. Alors ouais, changeons, tiens. Tiens, je te donne un truc sympa. Si tu veux. Ok. et puis je vais rester là pour l'instant. Okay. Donc je vais tirer deux cartes histoire. Attends, c'est pas du tout. Non, parce que j'ai pas ce qu'il faut là. Oh. Non, jamais. Je tire une carte événement. Le 1, rien ne se passe. Ok. C'est à toi. Donc, faut avancer. Tu peux toujours en avancer 2 de 1 si tu veux. Hop. Et là, si tu réussis, donc c'est deux identiques. Donc j'ai les deux yeux. Ouais, c'est réussi. Et donc tu peux piocher deux cartes histoire sur cet objet là, c'est cet objectif. Ok. Ce que je vais défausser. Je vais défausser comme une corne, puis j'ai avancé de. Okay. Et j'en suis là. Tout se rapproche. Ok, ça marche. Ouais. Je vais peut-être en arrêter là pour l'instant. Ok. Là, j'en tire deux plus un événement. Plus un événement. Je vais t'avoir pas 6 cartes. 10. Donc ça va avancer. Qui avance? Ok. Alors je vais avancer 2-2-1 aussi. Hop, comme ça on va voir ce qui se passe. C'est une corne. Alors ça j'ai. Hop, j'utilise ma petite corne. Et pour tuer celui-là. Je vais également. On commence à déplacer les personnages aussi. Hein. Moi j'aurais ce qu'il faut pour trouver les gobelins. Mais... cette fois. Pour les gobelins, là au-dessus, t'as des trucs non. Ou... non, j'ai que pour les trucs de gobelins. Je pense. Ok. Moi je peux en avancer un, ouais. Mais je sais pas lequel. Je disais ça pour avancer quelqu'un, mais je sais pas lequel avancer en fait. Non, là, il faut quand même le mettre là. Hein. On sait pas où il avance. Ah oui, hop, je le mets là. Ouais. Ça marche. Même si on n'a pas. Et puis voilà. Tirer deux cartes histoire, s'il te plaît. Hop. Et une carte événement. Le 13. Alors, on avance. C'est à toi. J'avance lui de 1. Et lui de 1. Il faut donc pour lui. Allez hop. Ok. Alors, ici, nous avons une corne. Ok. J'ai. Une petite corne est utilisée. Hop, voilà. D'accord. Je vais défausser une corne pour avancer lui. Ok. Et je vais défausser une épée pour mettre une blessure ici. Ah, une blessure sur le troll des cavernes qui est fait. T'as besoin de pied ou quelque chose? Non, c'est okay. Bon. Voilà. J'ai absolument rien d'autre. Bon, bah tu peux piocher deux cartes histoire. Ah. Et tu peux tirer une carte événement. 5. 5. Placer un gobelin restant sur une case du chemin en fuite. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas très vite. Hein. C'est à moi. Ouais. Écoute, je vais faire 1 et 1. Ouais. Comme ça, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Une corne et un pied. Alors, est-ce que tu as une corne? Non, une pied. Bon, je vais utiliser mon pied alors. Ouais. Pour tuer celui-là. Je vais également. T'aurais un œil par hasard, toi? Oui. Ah. Tiens, je peux te le donner. Je peux te donner un truc peut-être qui peut te servir ou pas? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Moi j'ai ce qu'il faut pour l'avancer là donc. Ah. Au prochain mais là. Comme tu veux mais. Ok, alors est-ce que j'avance? Le problème c'est que je vais être obligé d'utiliser une
carte. Pour avancer, présent. T'as encore des pieds, toi? Oui, moi j'ai des pieds. Ok, je vais utiliser un pied pour avancer les cartes. Faut que j'avance là, voilà, s'il n'a pas bougé. Hein. Voilà. Alors, je vais tirer deux cartes histoire. C'est chaud. Et je vais tirer ceci qui est le 15. Le ballon avance. C'est à toi. Alors, on a un j'avance qui? Bah, moi j'avancerai les deux autres en retard de 1. Hein. On verra bien comment ça fait la blessure aussi. Hein. Ouais. Un. Un. Ouais, il faut qu'ils avancent. Ouais. Ouais, je vais faire Gandalf. Gandalf avec ses deux, ouais. Est-ce que échanger avec un anneau pour j'avance encore? Si tu veux, je peux te donner un anneau si tu veux. Ouais, on va peut-être faire comme ça. Et je vais utiliser l'anneau unique pour essayer de déplacer encore un petit peu Gandalf. Ouais. Et du coup, tirer une carte. Oh. Une carte sauron. Chaque joueur défausse une carte histoire s'il le peut. Mais voilà, je défausse ma dernière carte. Ouais, bah moi ça va être rapide aussi parce que ça va être ça. Voilà. Voilà. Et je peux cheminer. Tu pioches les deux cartes. Ok. Et tu tires l'événement. 12. C'est le Balrog. C'est à moi. Alors, moi j'ai un sur les deux pour le Balrog, c'est à moi. Non, j'en ai pas. Anneau. J'ai un anneau, ouais. Mais l'anneau, je vais l'utiliser pour la corde. Ouais, c'est pas de corde, ouais. Parce qu'on a pas de corde, donc il faut bien qu'on avance, mon ami. Parce que tu vois, je vais faire ça, tant pis. J'avance celui-là de 2. Ouais. Je vais utiliser l'anneau pour le balrog. Pour le. Ça. Ok. Parce que on n'en trouve pas. Donc, ce qui permet d'atteindre cet objectif. Donc, on monte de 1 là. Et donc, de prendre une carte spéciale. Hein. Ensuite, je vais utiliser ceci. Pour mettre. Je vais utiliser ceci pour mettre là. Je vais utiliser ceci pour mettre là. On peut le mettre même avec Frodon. Hein. Ah non, on peut pas avec Frodon, t'as raison. C'est que pour les gobelins. On peut avec Frodon? Attends. Infliger des blessures. Non, Aragorn, Legolas ou Gimli doivent occuper deux cases adjacentes. Ah, on peut pas, il faut non. Pardon. Je me suis emballé. Donc ça, je peux pas. C'est bien, mais... Ah si, je peux faire ça. Voilà. Et ça. Voilà. Ça, on a fini. Voilà. Ça, on a fini. Et je tire une autre carte spéciale. Et... Je... Je change ou pas? Pour... Avancer... Si le troll il avance, c'est mort. Hein. Il n'avancera pas. Ok. Donc je vais tirer deux cartes histoire. Hop. Par contre, j'ai rien pour le repousser, mais. Moi j'en ai qu'un. Moi je peux peut-être t'aider. Je vais utiliser ceci. Ne piochez pas de carte événement ce tour-ci. Oh, magnifique. Un pousseau. Magnifique. Ah, voilà. Donc on tire pas de piochette de carte événement. J'ai dit, c'est pas ton fait à toi. Je vais quand même avancer lui. Tu peux en avancer 2-2-1. Ouais, ouais, bon, peu importe. Vraiment, ouais. Parce que. Alors ici, rien. C'est du pied. J'ai absolument rien moi pour avancer là-dessus. J'ai pas non plus. Hein. Donc. Je vais utiliser un anneau. Avancer. Vas-y. À moins que t'as quelque chose, moi, c'est quand j'en ai sur 2. Oui, j'en ai, si tu veux. Et je peux avancer que 2-1 hein, par contre. Ouais, tant pis. Non, après, tu peux avancer encore l'anneau, ouais. Non, parce que je t'ai donné. Pour ah, bah t'as pas. Ah eh, mais il faut que j'ai les deux pour avancer. Ah, il fait. Ouais. Et je vais utiliser mes deux cartes pour avancer. Mais j'ai plus rien. Ok, donc tu tires deux cartes. Et tu tires une carte événement. Bien, quand c'est une carte spéciale, tu peux la jouer. Non, plus maintenant. Ok.
Mais pourquoi tu peux la choper pendant mon tour? 3. Ça se passe. C'est à moi. Est-ce que j'ai besoin d'une carte? Ben, il me faudra pour le pied, quoi. J'ai pas le pied, moi. Est-ce que je peux avoir une carte spéciale que je peux jouer? Alors attends, déjà il faut que je déplace. Allez. Donc je vais déplacer 2 de 1. Ouais, faut que ça aille. Voilà, ensuite, voilà. Donc maintenant, oui, tu peux jouer une carte spéciale si tu veux. Un joueur au choix peut piocher 2 cartes histoire. Bon, ben, vas-y. Elle est pour toi, non? Voilà. Donne-moi 2 cartes histoire alors. J'espère que tu puisses avancer le max et venir réfléchir à tout. Alors, j'ai déjà un pied. Donc, ce qui me permet d'enlever celui-là. Ensuite, je vais jouer un anneau pour repousser ici. Je vais avancer un personnage de 1. Et je vais jouer Gripoil. Vous pouvez déplacer une figurine de 1 à 3 cases. 1, 2, 3. Encore pas gagné, mais on s'en sort pas trop mal. Voilà. Je pioche 2 cartes histoire. Ouais. Et je tire un événement qui est le 8. J'ai pas d'anneau, j'ai plus d'anneau. Non, j'ai qu'un anneau. Bah, c'est pas grave, ouais. Tu vas pouvoir le faire. Alors. Il faut avancer les personnages. Bah, je souffre d'où, hein. J'ai d'office. Non ? Non, parce que je peux le mettre là, le gars. Ouais, bon, alors avance les autres. De quoi, de 1 ? Ouais. Celui-là, ouais. Et puis l'avant-dernier aussi sur l'autre. Celui-là ? Ouais. Ah, ok. Ok, ça marche. J'ai qu'un anneau, donc je vais l'utiliser pour le. Ah, pas le choix. Tant pis. Je vais retirer une carte, mais bon. Et on va tirer une carte. Ça va faire mal, mais c'est. Pouf. Choisissez une carte spéciale dans la pioche ou la défausse de carte histoire et retirez-la du jeu. Pioche ou défausse. Pioche ou défausse, ok. Faut choisir une. Alors il y a Gripoil qui permet d'avancer un personnage de 1 à 3 cases. Il y a Elrond qui permet de piocher 2 cartes histoire. la carte elfique qui ne fait pas tirer de carte événement. La carte elfique est quand même bien. Ouais, puis Gripoil est pas mal aussi. Ouais, de carte histoire, moi. Elrond. Ouais. Allez, on arrive à Elrond. Ok. Je suis. Alors tu tires 2 cartes histoire. Ah oui, ça va. Et tu tires une carte événement. 7. 7. Le troll des cavernes se relève, retirer une blessure du plateau. Mmh. Alors on peut retirer une blessure du plateau, mais de toute façon l'objectif est déjà atteint. Hein, donc, C'est pas plus mal. Ok. C'est à moi. Alors, faut peut-être faire le point, on a le droit de se dire ce qu'on a ou pas, de toute façon. Ouais. Moi, j'ai un anneau, donc pour l'ennemi de celui-là, c'est pas grave, t'occupes pas de lui. Ok. De toute façon, et j'ai une épée, pour le faire. Ah. C'est tout. Alors, c'est déjà les choses. De toute façon, je pourrais pas finir ce tour-là. Non, puis mets-moi. Il faut que j'avance. Est-ce que j'en avance? Oui, j'en avance 2 de 1. Tout ce que tu peux avancer, de toute façon. Est-ce que je fais les 2 de 1 là ou... Oui. Oui. Comme ça. Ok. Est-ce que j'avance encore? Il faut que ça sorte quand même. On a encore 2 tours à tenir. Sachant que celle-là, on aura payé cher parce que s'il faut que j'avance encore le. Alors j'attends encore un tour avant de tout balancer. Quoi dire? Tu peux m'échanger une. Toi, tu finiras? Tu veux que je change en ligne? Je sais pas si c'est moi qui finis ou si c'est toi qui vas finir, j'en sais rien. Moi, je sais que je peux jouer une carte pour avancer quelqu'un, là, si je veux. Alors, si tu... On va dire, si tu joues une carte pour avancer quelqu'un, on en sera où? Il y en a 2 qui seront là, 2 qui seront là. C'est-à-dire que le coup d'après, tu peux en sortir un. Et amener l'autre à côté. Ouais, okay, le coup d'après, tu en sortiras les 2 autres. Ouais, il faut encore 3 tours pour qu'ils sortent tous. Au moins 3 tours. Donc ça joue quand 1, 2, 3, donc toi qui finis. Ouais, il faut encore au moins 3 tours, ouais. Donc je te donne quand même qu'il faut pour finir. Ok. Ouais, t'as rien pour avant 9. J'ai rien. Si, moi je peux te filer une fiole. Ouais, à la limite. Moi j'en ai pas, mais c'est pas grave, ça peut. On verra ce que. Ouais, on s'en va bien entre eux.
Ok. Et du coup, j'arrête là. Ouais. Je vais prendre deux cartes histoire. C'est bien, mais on se retrouve après, moi j'ai rien. Oh putain, j'ai pas ce qu'il faut aussi. J'ai pas ce qu'il faut. Et je tire une carte événement. Le 11. Ça j'ai pas la rôle. C'est à toi. On avance, hein. T'en avances 2-2, hein. Ouais, ouais. Hop, hop. Ouais. Voilà. Faut que tu repousses le ballon, regarde. Ouais, un anneau, avec ça. Ok. J'ai une fiole, est-ce que je garde la fiole pour la suite ou est-ce que j'en sors rien? Sors-en, hein. Ouais. J'utilise la fiole et je sors rien. Hop, si tu veux prendre. Allez, hop, c'est fait. Ouais. Mais moi, j'ai pas ce qu'il faut, aussi. Tu tires deux cartes histoire, ouais. Et non, quoi? Le pi. Je sais pas. Ou l'anneau. J'ai l'anneau. Ah, mais on fera peut-être ça. Et tu tires une carte événement. 6. Le troll se relève. Le troll se relève. Bon, ouf, on va prendre la. C'est à moi. C'est réveillé tard. Alors, je vais en avancer 2 demain. 1. Et 1. On va échanger une carte. Faut avoir un loup. Ouais. Est-ce que t'as pas de pied? Ok. On peut tenir un tour, mais ça va pas. On peut tenir un tour? Ben. Ah, mais c'est-à-dire que si on tient un tour, c'est. Toi, t'as pas ce qu'il faut pour les sortir? Non. Donc on peut pas tenir un tour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne deux tours. Faut qu'on tienne deux tours. Ouais, c'est chaud. Sinon je finis, mais j'avance encore, quoi. Tant pis. Ok, et eh ben je. J'avance 1-2-1. J'avance 1-2-1. Parce qu'une carte spéciale peut permettre aussi d'avancer. Ah oui, d'accord. Et il me faut une épée. Ouais. Une corne. Bien joué. Et un pied. Mais je vais utiliser un anneau. Voilà. Mais le chapitre. Et t'es réussi! Avec 8 en corruption. Avec 8 en corruption, c'était très très dur. Alors je sais pas pour ceux qui ont réussi le chapitre, bah, nous on a galéré. Non, on a souffert, mais on a réussi. Bon, le chapitre est passé. Je sais pas comment on va finir le jeu, je sais pas si on pourra le finir d'ailleurs. Mais le chapitre est passé. Voilà! C'est chaud, on l'a eu. Bon, ben on vous dit. À la prochaine pour la suite, hein, pour le chapitre 4. On va essayer au moins d'avancer au 4. On va essayer au moins d'atteindre la suite du 4. Merci de nous avoir suivis. Merci bien, ciao ciao, bye bye.